Salam alaikum wa rahmatullah, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les ABCD de la morale coranique. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec la lettre J. J comme juste milieu. Et nous voici donc arrivés à cette grande qualité à laquelle Allah nous invite en disant à cette communauté, nous avons fait de vous la communauté du juste milieu. Le juste milieu, c'est un comportement que la communauté dans son ensemble doit avoir, mais la communauté, bien entendu, c'est un ensemble d'individus. Les individus aussi doivent être dans le juste milieu. Et le juste milieu qui est ce qu'on appelle al-wasatiya, hein, être dans le juste milieu, c'est d'être dans la modération, c'est d'être dans la pondération, c'est de ne pas être laxiste, très très permissif et non plus être rigoriste et très excessif. Le juste milieu, c'est le comportement du prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il était dans son comportement. À chaque fois qu'on lui proposait quelque chose, il prenait toujours le plus facilitant, le plus modéré, tant que ça ne touche pas un interdit. Le juste milieu, c'est le comportement dont on a besoin aujourd'hui et qui englobe toute, en fait, notre islamité, toute notre religiosité, que ce soit sur le plan intellectuel, sur le plan des idées, sur le plan des enseignements théoriques, les convictions. On doit être dans ce juste milieu. Ou comme aussi dans nos pratiques, dans nos actes, nous devons aussi être dans le juste milieu. Le juste milieu qui est l'axe de la réforme. Le prophète, quand il nous parle de la réforme, il nous dit que cette réforme, elle est portée par des gens du juste milieu qui, à chaque fois qu'il y a des notions qui ont été expurgées de l'islam, ils le remettent dans l'islam, et ce qui a été rajouté à l'islam et qui n'en fait pas partie, l'islam sera épuré de cela, de même au niveau de la pratique. Donc, être dans le juste milieu, c'est d'être dans la voie prophétique, être dans la sunna, qui est la meilleure des conduites qui va dans ce sens du juste milieu. Car le prophète lui-même, il l'était dans toutes ses paroles, dans tous ses enseignements. Il nous invite, il nous dit, halak al-mutanatti'un, ah, les gens excessifs ont perdu, ils courent à leur faillite, ils courent à leur perte. Et pourquoi ? Pour nous avertir que le comportement excessif n'est pas un comportement louable, bien au contraire. Comme aussi la personne qui déconsidère le mal et qui est laxiste, aussi le prophète nous met en garde contre cela. Donc le juste milieu, ce slogan qui ne l'est pas en fait, c'est plutôt un désir, un choix, une volonté. Soyons dans le juste milieu et Allah nous aimera. Et je vous donne rendez-vous avec la prochaine lettre. Et d'ici à ce moment, je vous dis assalamu alaikum, au revoir.